Waouh! Tu as vu, Crusher? Il y a un adorable petit requin qui essaie de nous rattraper! Oh non, c'est Blaze! Oh oh oh! Blaze, le requin va vraiment vite! C'est sûrement grâce à sa forme profilée! Je ne peux pas laisser Blaze, le requin, s'emparer de la couronne avant moi! Il faut que je trouve le moyen de bloquer ce tunnel pour pas qu'il nous suive! J'ai trouvé comment bloquer le tunnel! À l'aide d'une pieuvre robot géante! Attention, Blaze! Wow! Cette pieuvre géante bloque complètement l'entrée du tunnel! Je vais essayer de la pousser hors du passage! Oh. Wow! Nom d'un aileron! Cette pieuvre robot est beaucoup trop lourde! Comment on va faire pour la déplacer? Elle est peut-être trop lourde pour qu'on la pousse, mais elle n'est pas trop grosse pour flotter! Quand quelque chose flotte, il remonte à la surface de l'eau. Alors, si on attache suffisamment de flotteurs aux tentacules de la pieuvre, elle sera entraînée à la surface et la voie sera libre. Regarde là-bas! On va sûrement pouvoir trouver des flotteurs dans cette vieille épave! Venez! On va aller voir! Apparemment, il y a des fourchettes dans ce coffre et dans celui-ci, il y a des ballons de plage. Si je les lâche dans l'eau, lequel des deux va flotter? La fourchette ou le ballon de plage? On va faire le test! Le ballon de plage, il flotte! Les ballons de plage flottent car ils sont remplis d'air! Allons chercher tous les ballons de plage pour les attacher aux tentacules de la pieuvre! Youpi! Ça marche! Certains des tentacules de la pieuvre sont entraînés vers la surface de l'eau! Allez, venez! Allons chercher d'autres objets qui flottent! Ce coffre est rempli de marteaux! Et ce coffre-là contient... des chambres à air! Lequel des deux va flotter? Le marteau ou la chambre à air? On va refaire le test! C'est la chambre à air qui flotte! Même si elle est plus grande que le marteau, l'air à l'intérieur de la chambre à air la fait flotter! Regarde! Presque tous les tentacules de la pieuvre flottent! Il nous faut un dernier objet flottant pour qu'elle remonte à la surface! J'ai trouvé un tambour et une poêle à frire. Lequel des deux va flotter? On fait le test. Le tambour flotte! Oui, parce qu'il est également rempli d'air. C'est parti! Youpi! On a réussi! La pieuvre robot est entraînée vers la surface. Bien joué! Youpi! On a récupéré la couronne! Je me demande où Crusher et son sous-marin sont passés. Bah, on s'en sort pas si mal, finalement. Oh oh! On savait que vous y arriveriez. Maintenant que vous avez votre couronne, vous allez enfin pouvoir choisir votre roi. Animaux de l'île aux animaux, qui allons-nous choisir comme nouveau roi? D'abord, il faut que ce soit quelqu'un de très serviable. Et puis de gentil. Quelqu'un qui est ami avec tous les habitants de l'île. La Monster Machine que l'on choisit pour devenir le roi de l'île aux animaux est... Waouh! J'arrive pas à le croire! Je suis le roi